La fin de la saison 11 de The Voice est aussi celle des révélations. Alors que chacun révèle les détails de son parcours, d'autres n'oublient pas de remercier leur coach. Du côté de notre Florent Pagny National, c'est sa santé qui inquiète beaucoup surtout les admirateurs. Et la curiosité est telle qu'on se demande comment il se porte maintenant que l'émission est finie. Les questions concernant les préparatifs de cette grande finale sont tout aussi nombreuses. C'est donc Slimane qui nous donne cette fois des nouvelles du chanteur. Florent Pagny est une image emblématique de The Voice. Personne ne pourra dire le contraire au vu de son palmarès dans l'émission de la Une. À titre de rappel, sachez donc que le chanteur a déjà plusieurs victoires successives à son actif. C'est notamment le cas avec Marg qui a été sacrée plus belle voix de la précédente édition. Et le chanteur a de nouveau su trouver la perle rare qui a remporté le trophée pour cette nouvelle saison. C'est donc un fois l'équipe de Florent Pagny qui remporte la victoire avec la prestation de Nour. La jeune femme a rencontré quelques difficultés au moment de son passage sur scène, mais cela n'a aucunement altéré la beauté de sa voix. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a permis de remporter la partie haut la main. D'autant plus qu'elle a eu l'opportunité de chanter aux côtés de Slimane pour rendre hommage à leur coach commun de l'aventure. Un geste fort que les téléspectateurs ne pourront pas oublier. Interviewé sur son passage dans The Voice récemment, Slimane n'a pas tari d'éloges sur les capacités de Florent Pagny. Ce dernier aurait en effet ouvert les portes au jeune homme vers la réussite musicale. Et il est normal qu'il se sente reconnaissant envers ce dernier. « Il a bouleversé ma vie. Il a tout changé » avait d'ailleurs fait savoir l'ancien acolyte de Vita lors de ses prises de parole. De quoi faire comprendre l'importance du chanteur français à ses yeux. C'est d'ailleurs pour cette grande estime que Slimane a envers Florent Pagny qu'il a eu ce geste inédit lors de la finale de The Voice. « Avant toi, je n'avais rien » avait-il déclaré tout en désignant le coach de l'émission. Une attention qui a plu aux téléspectateurs. En plus rendre hommage à Florent Pagny, Slimane a profité de l'occasion pour donner des nouvelles de ce dernier. Il a avant tout déclaré avoir été très ému de découvrir qu'il souffrait d'un cancer. Malgré tout, le chanteur affirme qu'ils s'écrivent et se soutiennent dans cette situation difficile. Là encore, le chanteur de Ça va ça vient est donc très présent pour son ancien coach. « J'ai beaucoup pensé à lui et je suis content que ça aille mieux » avait également ajouté Slimane. En effet, Florent Pagny entamera sa dernière chimiothérapie à l'issue du tournage de l'émission. L'occasion pour lui de prendre encore plus soin de lui.